Et salut tout le monde, c'est Valek pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du DNS Tech Pack. Alors j'étais tranquillement en train de préparer l'épisode quand je me suis dit, bah écoutez, je suis bien dedans et je vais carrément lancer l'épisode et comme ça, hop, ça va être fait. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un système de stockage de mes éléments, de mes comment dire, bah de mes objets tout simplement, un peu plus avancé que ces p*** de coffres et de meubles qui sont beaucoup trop bordélique. J'arrive pas à retrouver ce que je veux à chaque fois, c'est le gros bordel. Donc, j'ai été miné un peu. À vrai dire, j'ai pris que le diamant et le lapis pour augmenter ma pioche en fortune 3 et c'est fait. J'ai monté fortune 3, j'ai été chercher le diamant et là, je me dis que ça devrait être bon pour faire mon système de stockage. Donc, pour commencer, il va me falloir une station de soudure, 6 fers, une table de craft et un redstone. Petit truc que je vais vous montrer d'abord. Alors, déjà, vous voyez que j'ai mis un tinker là-bas parce que je vais m'installer là-bas. Je vais déplacer tout mon bordel là. Pour la simple et bonne raison que mon énergie est juste là. J'ai fait un sac 1000. Bon, je vous montre la recette histoire d'eux, mais vous la connaissez tous. Donc voilà la recette. Juste du fer, du silex, un piston, un châssis pour machine, entouré, un condensateur comme ceci. Enfin bref, vous connaissez tout ça. Vous connaissez, vous savez faire, vous savez utiliser NEI. Hein. On va retourner sur logistique, histoire que je ne me perde pas. Et alors, donc il va me falloir une station de soudure. Et donc j'ai fait le 5000 car je suis en train de... J'ai cuit du fer. Du fer pour... Bah pour la station de soudure par exemple, je vais en avoir besoin. Pour me faire des golden gears aussi. Alors je vais vous couper tous les moments un peu longs, hein, comme à mon habitude. Mais alors déjà on va devoir se crafter... Ah j'ai mis un E là, tac. Donc la station de soudure. Ensuite on va se crafter des tuyaux logistiques basiques. Parce qu'on va en avoir besoin. Il me faut ça, j'ai déjà. Des tuyaux de transport en pierre, des tuyaux de transport en diamant. Très facile à faire en fait. Attendez, je vais me coucher. Voilà. Très facile à faire. Ce en diamant, c'est un de verre entouré de deux diamants. Ça m'en donne 8, ce qui est plutôt pas mal. Idem pour ce en pierre. Hop. Oula. Tac. Ils vont m'en donner 8. Il va falloir que je me fasse une golden gear. C'est tout simplement un rotor en diamant. Que je vais me faire comme ceci. Voilà. Et normalement, j'ai ce qu'il faut pour me faire, je dirais, la base. C'est pas du tout ça. Tac. De logistic pipe, c'est pas ça non plus, c'est comme ceci, et comme ceci, voilà. Ça, on va en avoir besoin pour se faire un tuyau logistique de requête, si je dis pas de bêtises. Il va falloir un autre engrenage en or et un engrenage en fer. En fer, c'est tout simplement 4 de fer. Voilà pourquoi je me suis fait cuire du fer. Hop. Donc, un là. Non, on va d'abord faire le. Toc, le rotor là. Un peu cher en fer, hein, mais bon, en même temps, il faut bien ça. Donc ça, c'est le tuyau de requête. On aura besoin que de 1. Il va nous falloir ensuite des... d'accès, c'est cela. D'accès. Donc, ah, il va nous falloir encore des trucs en or. J'en ai beaucoup. Ah, je n'ai plus que 1. Je pourrais en faire que 1 aujourd'hui, je crois. Mais au moins, vous aurez compris le principe. Et je pourrais faire ça en off après. Un basique, de la machin. Ok, pas de problème. J'ai ce qu'il faut. En or, par contre, je suis juste, du coup. Hop. En espérant que j'en ai pas besoin dans les crafts qui suivent, mais ça m'étonnerait que j'en ai pas besoin. À mon avis, j'en ai avoir besoin. C'était pas ça? Ah non, c'était la Golden Gear là. Oula, tac, tac, tac. Voilà. Tuyau d'accès. Du basique. On va prendre ceci. Attends, je vais attendre un peu. Je vais d'abord continuer à me faire ce qu'il me faut. Il me faut un peu de bois pour me faire la table de craft. Du bois. Voilà, tout vient là. Hop. 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 Il en fallait 6, je dis pas de bêtises, donc. Voilà. Consomme un peu de fer, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup moins cher que. Applied énergétique. Voilà, une station de soudure. Excusez-moi. Je sais pas si j'aurais coupé au montage, mais j'ai toussé, donc c'est pour ça que je m'excuse, hein. Parce qu'au montage, des fois, ça se voit pas, du coup... Alors, je pense qu'il faut quand même de l'énergie à ce truc. Pas dit, on verra. On verra. On va essayer sans faire sans énergie, après on verra avec énergie. Donc, alors, pour faire ceci, un table logistique de requête. Il va nous falloir des logistiques de requête MK2 que j'avais pas du tout préparé. Et que j'avais pas du tout fait gaffe. J'ai plus assez d'or, donc c'est mort.
Ok, j'avais pas du tout prévu tout ça. J'ai manqué d'or déjà. Pour commencer, j'ai manqué d'or. Donc je vais éliminer, puis je vais en profiter vite fait pour vous montrer mes grottes. Hop. Mes grottes, entre parenthèses, qui sont... C'est une blague? What the fuck? C'est quoi ce bordel? Ça a bugué? Ça a bugué? Regardez, j'avais mis une échelle pour pas... Putain, sérieux, la blague. Complètement bugué. Parce que j'ai mis une échelle qui me rattrape, vous voyez, comme... C'est bien le moment. Hop, hop. Ah oui, mon épée, elle a eu l'enchantement... l'enchantement. L'amélioration Fiery, qui permet de mettre mes ennemis en feu quand ils ne me tuent pas. Et il va être encore là. Donc je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Allez, on se barre. Putain, j'ai pas le tape à la main. Bon bah, combat en accéléré, hein. Allez, plus qu'un PV, ça va enfin être bon. Ça fait 2 ans que je le tape. Vraiment, 2 ans, hein. C'est pas une blague. Ah. Mon épée, on va l'équiper tout de suite, histoire de se défendre si on se fait attaquer. Donc, je voulais vous montrer, notamment l'échelle qui me rattrapait en bas, qui me permettait de ne pas prendre de dégâts, hein. Bien sûr. Tac. Alors, j'ai rien torché, hein, parce qu'évidemment, avec mon écran, ça va. Mais évidemment, avec YouTube, c'est moins bien. Bon, on va chercher de l'or, tout ça. Mais je voulais juste vous montrer mes mines. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer. On va aller par là. Par là, j'ai commencé à miner pour chercher du lapis et tout ça. Donc, si on part par là, on a le fameux mineshaft que je vous avais montré. J'ai trouvé quelques coffres avec des trucs dedans. Rien de bien intéressant. J'ai filmé. J'ai pas filmé. Et si on va par là, normalement. Hop. Je me souviens où il y avait de l'or d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Il me semblait qu'il y avait de l'or là-bas. Voilà, on y arrive là. Hop, on va passer par là. Et regardez, de l'or déjà. Je pensais bien. Et on arrive dans une faille. Alors niveau minage... Ah non, attendez. On n'est pas encore dans la faille. Elle est un peu plus loin, pardon. Je m'avance. Là, voilà la faille. Donc voilà. Niveau minage, on a un de bon spot, hein. Bon, et bah écoutez, je vais miner. Et on se retrouve une fois que j'ai pas mal d'or. Les amis, bon, après ma séance de minage et mes fights à répétition contre les mobs, j'en ai ras le bol là. J'enchaîne les mobs alors que je veux juste jouer, putain. Donc j'ai été chercher du diamant, de l'or, de l'or, de l'or. Ça c'est bon, je pense que j'en aurai assez. Elle va venir me faire chier, bien évidemment. Hein, voilà, au moins j'ai une redstone, c'est déjà pas mal. Donc, je disais oui, mon épée elle est trop belle, hein. Je la trouve trop belle. Avec son upgrade de Fiery qu'elle a eu qui permet d'enflammer. Il va me falloir une table d'a... Et regardez, il y a encore un là. Il y en a encore un qui vient me faire chier là. Ah bah il est mort. Ah non, c'est pas... C'était pas un mob, pardon. C'était du stuff volant. Voilà. À cause de mon aimant. Donc... Je disais, il va me falloir une table d'assemblage. Déjà, il va me falloir un laser. Un laser, il me faut juste de la redstone. J'ai ce qu'il faut normalement. J'ai assez de diamants, et ça, c'est plutôt cool. J'ai eu pas mal de... Enfin, pas mal. J'ai que 20 diamants, hein, mais... Je trouve ça déjà pas mal. Je suis pas coincé à ce niveau-là, et ça, c'est plutôt cool. Pourquoi il me reste que 4? Pourquoi il me reste que 4 obsidiennes? Une, deux... J'en avais... Je suis fou quoi, j'en avais... Ah, ah j'ai dû la déposer sans faire gaffe. Putain, je croyais que je devenais fou. Il va falloir une table d'assemblage. Tout ça, j'avais pas du tout prévu, hein. Je pensais pas qu'il me faudrait tout ça. Un golden gear, blablabla. Diamant.
Pas diamant or. On va aller chercher l'autre. On va le faire cuire. Je vous mets ça en ellipse. Tac. Voilà, je suis vide. Là, c'était chiant parce que mon inventaire était plein. Et je déteste ça au plus haut point. Toc. Allez, un petit lingot. Voilà. Bon. Reprenons. Tac. Là, il m'en faut 4 quand même. Hein. Ça coûte vraiment cher. Et ça fait chier. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors, c'est dans l'autre sens, si je dis pas de bêtises. Toc et toc. Et c'est pas ça. Et il y a une restaure au milieu. Comme ça. Yeah. Donc. On va pas l'installer tout de suite. On va regarder ce qu'il nous faut pour la. Hop. Pour la logistique, machin truc. Donc ça, c'est un diamant et une redstone. C'est ok. Oula, qu'est-ce que je fais? Pour les tuyaux MK2, là, ça va me coûter cher. Il faut encore ça. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Il m'en reste trois. Je devrais avoir assez, mais c'est tout juste, hein, punaise. Là, on a encore un engrenage. Je vais vous ellipser jusqu'à ce que j'ai les deux engrenages en or. Et voilà, fin de cuisson du quatrième lingot. Hop. Ça nous fait de l'engrenage en or pour nous faire de l'engrenage en diamant. Deux pour. C'est pas ça. Ça. Il nous faut ça avec du tuyau logistique et ça, j'ai. Et un deuxième. Pourquoi t'en as pas mis? What? Oh, c'était quoi ça? Ah, c'était un tuyau de requête, c'était pas le basique. Comment on le fait déjà? Ah, ça va, c'est pas de diamant. Par contre, il me faut encore du gold, quoi. Il va me falloir deux. Ouais, il va me falloir deux, puisque j'en ai besoin d'un pour. À moins qu'il soit pas utile. J'ai un doute. On va. Ah ouais, mais c'est vrai que maintenant que j'ai fait ma table d'assemblement, j'aurais pu faire comme ça. Ah ben, je vais le faire carrément. Comme ça, je vais vous montrer comment ça marche. Mais ça va être long, c'est pas grave. Il me faut juste. En fait, ça coûte la même chose. Un comme ça égale 4. Ça fait juste économiser un de fer, ok. Donc ça sert à rien. J'ai un doute. Je vais aller voir en créa vite fait, je reviens. Ok, je viens d'aller faire retour en créa. J'ai pas besoin d'en faire deux. Un seul suffira. Donc c'est parfait. Paf. Non, pas toi. Toi. Un comme ça. Un comme ça. Et un basique. On a le MK1. En gros, plus le diamant et la redstone. Oh là, non, la redstone, c'était pas ça. C'était pas ça. Alors, on va regarder. Tac. Ceci. Ah, c'est un engrenage en diamant. Ça coûte. Ah, mais non, attendez, je peux le faire avec le circuit. Par contre, ça va me coûter moins cher, ça. Ça, c'est clair. Les circuits en diamant, regardez, avec un circuit en diamant, c'est bon. Il me faudrait 3 diamants et 3 redstone. Et ben ça tombe, putain, elle est pile poil à cette diamant. Et oh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'espère que je vais pas avoir besoin de plus de diamants. Donc regardez le laser, comment il marche. Je l'ai déjà montré dans la saison 1, hein, je crois, un truc dans le genre. C'est un peu bizarre, non, qu'il montre un aussi grand rayon. C'est inquiétant, je dirais. Hop. La petite table d'assemblage. Normalement les RF passent, hein. Oui, je vois à droite. 3 diamants, 3 émeraudes, 3 redstone plutôt, et 3 diamants. Tadam! Et là, ça va mettre une plombe, mais une plombe, un truc de ouf parce que j'ai que un laser. Faudrait voir que ça démarre au moins. Il n'y a pas de raison que ça démarre pas. Ouais, ça a démarré. Ça va être très 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 long. Peut-être essayer de voir si j'ai un chunk loader, parce que je vais laisser le serveur allumé. Mais je voulais faire ça dans cet épisode. Ouais. Ouais. On va continuer ce qu'on peut faire au maximum. Et on verra après. On a aussi ce transformateur logistique à faire, qui est tout simplement de la redstone et du fer. Ça, c'est un beau craft. Redstone. Toc. Toc et toc. Ça, c'est ce qui va permettre de transformer l'énergie pour qu'elle aille dans le réseau Applied. Pas Applied, pardon, Logistic Craft. Ah oui, je l'ai pas encore transformé. Hop. Donc, on va avoir lui. Il va nous falloir un hopper. Craftons ce hopper. Coffre là. Fer. Du fer de cuit, j'en ai plus. Ah, mais j'en ai encore du fer.
Bon, finalement j'avais plus de fer, donc j'ai été en chercher. J'ai eu du fer et du raw iron fer comme ceci là, qui va me permettre d'avoir du fer à cuire tout de suite. Hop, hop et hop. Tac. J'ai eu des slimes. Il y avait des slimes en bas, donc j'ai un chunk à slime en bas, ce qui peut être très intéressant. Toc, toc, toc. J'ai encore de l'or là. Techniquement, j'ai un lingot là. Hop, voilà. Allez, fer, fer, fer. Qu'est-ce qu'il fallait? Pour un hopper. Un coffre. Alors, je viens de poser le coffre à côté du truc à laser parce que ça va dropper dedans. Je vous montrerai ça après. Donc, j'ai vu qu'il me fallait du bois. De la roche, tiens. C'est un truc que je dois pas avoir. J'en ai peut-être quelque part. J'en ai sûrement déjà fait cuire, mais je ne sais déjà plus où, ni quand, ni comment. Donc, il nous fallait une table de craft. Un hopper. Et on est pas mal. On est pas mal pour ceci. Le hopper, ça on va le faire. Ça on l'a des pas presque. Ça on l'a presque. Toc. Ah, c'est pas du tout dans cette table du coup. Du coup, c'est dans la table de soudure. Est-ce que je l'ai fait? Je l'ai pas fait en fait. Est-ce que je l'ai fait celle-là? Oui, hein. Merde, je sais déjà plus. Ah bah oui, non, c'est le truc là-bas. C'est bon, je m'en souviens. Du coup, les lasers, regardez, on va voir jusqu'où ils ont avancé. Nul. Donc j'ai mis un coffre à côté, comme ça quand on aura fini, hop, ça ira directement dans le coffre. Toi, tu viens là, et je vais te poser là, voir si tu as besoin d'énergie. Je vais commencer le craft, et je vais évidemment vous ellipser le temps que lui finisse. Je vais regarder une petite vidéo sur YouTube en attendant. Qu'est-ce que j'oublie? Rien. Les tuyaux, tout ça. On va mettre du fer à cuire. Et normalement, je dis bien, normalement, on est pas mal. Je vais prendre une table de craft avec moi pour la mettre là-bas. Et on va patienter tranquillement là-bas. Du coup, je me retrouve avec un tournage d'une heure que je vais devoir découper dedans comme un barbare. Table de craft. Donc, tac, tac. Les deux circuits, les deux. Ben, j'ai un d'ailleurs. Là. Et c'est pas mal. Vous croyez que. On dirait que c'est ça. Hein. Ah, bah ben oui, station de soudure. Ah, ouais, c'est pas con. Il faut du métal pour machiner. Ok. Ok. Et ça, c'est quoi? Il n'y a pas ça là, sur l'autre. C'est qu'on ne doit pas en avoir besoin. Ok, bon, bah, il n'y a plus qu'à patienter pour ça. Hein. Qu'est-ce que les gens disent? Ouais, j'ai plus que ça à faire. Alors, les amis, bon, je viens de dormir. J'ai mis mon lit là, du coup, je dormais en boucle, hein, histoire de ne pas me taper la nuit. Mes trucs se sont finis. Et je vais pouvoir crafter ces tuyaux de MK2 là. What? MK2? Ah, c'est pas le même de l'autre côté. De fabrication. Oh, j'avais pas vu. C'est juste de l'or. Il me faut celui-là. Oh, il est encore plus facile à faire. Oh, le boulet! Oh, c'est pas possible d'être ainsi. Ça m'énerve. Bon. Du coup. Bon. Je vais crafter ça. C'est un engrenage en cobble. Donc, il se fait avec des sticks puis de la pierre. Bon. Top. De la pierre, je l'ai déjà sur moi. C'est pas grave. Des sticks, je vais voir qu'ils traînent par là. Donc, c'est pas le même tuyau. Donc, ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Il manque plus que celui-là. Que je vais faire comme ça parce que ça coûte le même prix que l'autre. Si je me trompe pas, hein, j'espère que je me suis pas trompé au moins. Ouh. Je vais avoir toute la série là. Donc, engrenage en or. Qu'est-ce que je fais? C'est pas ça. Je me perds dans mes pensées. Hop, 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 hop. Voilà. On retourne dessus. Hop, ça c'est bon. Juste, ouais, ça fait. Qu'est-ce qui me manque? Toc. Basique. Ah, j'avais pas la redstone sur moi. J'ai pas la redstone sur moi. Où c'est que j'ai foutu de la redstone? Partout. Voilà. Hop. Et je toque. Voilà. Niveau 1. Engrenage en or. Ça tombe bien, j'en avais un. En stock. Et c'était quoi de la redstone? Donc on a le tuyau de fabrication MK2. On a ce qu'il faut, sauf du fer.
Parfait. Pour faire fondre. Normalement, c'est bon. J'espère fortement que c'est bon. D'ailleurs, juste une fois que je serai là-bas, comme ça, je serai tranquille. Hop, prends-lui. Et prends-lui pour vous illustrer mon truc. Donc. On va. Donc, hop, ça c'était bon, ça c'était là. De requête, de fabrication. Du coup, j'en ai crafté un comme ça pour rien. Super. Tout est super génial. Hop. Oh, regardez. Normal ça? Ouais, il lui faut de l'énergie. Hein. Je peux pas le retirer? À moins que ce soit là? Non. C'est bien ça, hein. Je pense qu'il lui faut de l'énergie. Hop. Ah bah voilà, comment les retirer? Comme ça. Hop. Attends, c'était ça? Non, c'est pas ça. C'est ça. Hop, voilà. Est-ce que par hasard... Non. Toc, toc, le coffre. Le pof. Le craft, c'était bon, au moins. MK2. Requête. MK2. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre? La table de craft. Et au milieu, le hopper. On met ça. Et rien ne se passe. T'es sérieux? Oh, je sais. Je sais. Il faut sûrement. Ça paraît logique en plus, je suis bête. Il faut sûrement de l'énergie. Toc, comme ceci. Et qui passe par des tuyaux normaux. Toc, voilà, ça marche beau. Oh bah ça va vite, oh, super. Bon, alors là, ça commence à être très intéressant. Je vais faire ça. Ensuite, mon tuyau d'accès. Je mets mon tuyau d'accès là. Je mets mes meubles de classement un là et un là. Et normalement, j'ai accès à tout. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bon. Je virerai les graines et tout, histoire de pas laisser ça comme ça. Et là, par exemple, j'ai besoin d'un stack de cobble. Toc, je request. Et là arrive un stack de cobble. Et ça, c'est une super avancée pour le let's play parce que avoir un bon système de stockage, c'est super. Je vais refaire des tuyaux comme ça. Et comme ça, je serai vraiment bien. Oh, ça va être top. Un début. Oh, ça, c'est vraiment génial. Je suis vraiment content. Vraiment content. Et donc voilà, vous avez tout le setup. Donc ça, c'est, j'en ai plus besoin. Hein. Normalement, je n'ai plus besoin. Je vais l'enlever pour l'instant. Ça, c'est pour transformer l'énergie. Oula! Ah oui, c'est parce que lui, il a travaillé. Vu que lui a travaillé. Est-ce que lui, il se recharge? Non? Pourquoi il se recharge pas? Je dis pas que ça pompe tout. Ah, ça se recharge là, ok. Tout roule, tout roule. Tout roule, là ça va se charger, tout ça, tranquillement, le serveur va tourner. Super. Ah, je suis tellement content d'avoir réussi à faire ça. J'étais pas sûr de moi du tout. C'est génial. J'ai ce qu'il faut sur moi. Ah, le bordel que ça a été pour moi. Pour faire tout ça, ça me fait un épisode complètement coupé partout. Mais c'est bon. Je vais pouvoir déplacer tout ce bordel là-bas. Je vais faire des coffres en fer, des coffres en or et tout, histoire de pas me retrouver avec 15 000 coffres. Je vais utiliser un maximum ces trucs-là, ce qui permet de ranger des tonnes et des tonnes de trucs. Hein. Bah, vous voyez, hein, quand j'ouvre ça, vous voyez tout ce que j'ai. Dedans, j'ai vraiment un paquet de trucs. 4 pages. Bon, c'est des graines à la con, faut que je les vire. Faut que je les analyse et que je les vire. Je vous ferai ça dans un prochain épisode. Je pense que pour le prochain, je vais encore éliminer. Et on va se faire la quarry. Parce que là, clairement, ça me saoule d'éliminer, hein, comme toujours. Et on va aller se faire la quarry. Donc voilà. Un setup qui marche. Qui fait plaisir. Je suis vraiment content. Bon, du coup, on va s'arrêter là. C'est super. Je suis content d'avoir réussi mon système. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit pouce rouge. C'est vous qui voyez. Merci beaucoup et bye bye tout le monde.